Depuis des années, les téléspectateurs ont pris l'habitude de voir Jordan Deluxe avec la même tenue vestimentaire. Dans France Dimanche, l'animateur a révélé la raison pour laquelle il ne quittait jamais son costume et son nœud papillon. Ses interviews sont désormais devenues incontournables. Dans Chez Jordan, diffusé sur C8, Jordan Deluxe reçoit quotidiennement des invités, qui savent qu'ils mettent les pieds dans une émission où la langue de bois n'est pas permise. L'animateur de 33 ans, qui reçoit des personnalités de tous les univers, aime particulièrement les interroger sur leur situation financière, donnant parfois lieu à quelques pépites. En juillet dernier, Isabelle Balkany avait accepté d'évoquer le montant de sa retraite, avait néanmoins tenu à faire une mise au point. Vous savez combien je gagnais comme adjoint au maire? Que dalle. Les élus locaux sont extrêmement mal rémunérés et ont des retraites ridicules. Les parlementaires ont de meilleures retraites, et heureusement, parce que Patrick a été parlementaire. Ma retraite est à moins de 4000. Si est pas énorme, avait-elle déclaré. Jordan Deluxe n'a aucun mal, lui non plus, à évoquer sa propre situation, lui qui a récemment révélé le montant de son salaire. J'ai toujours été attiré par le luxe depuis tout petit. Mais bon, je vis encore dans 20 mètres carrés à Paris. Je gagne entre 4200 et 4600 euros par mois, si est un salaire très correct, mais je ne suis pas riche, non, a-t-il expliqué à Public. Pourquoi Jordan Deluxe s'habille-t-il de cette façon? Ceux qui le suivent le savent, Jordan Deluxe ne quitte jamais son éternel costume noir, assorti d'un joli nœud papillon. Dans une interview accordée à France Dimanche, parue ce vendredi 22 septembre, l'animateur a expliqué qu'une très célèbre personnalité lui avait conseillé d'adopter cette marque de fabrique. Je le dois à Geneviève de Fontenay que j'ai croisée à mes débuts il y a 10 ans. Elle m'avait conseillé de me démarquer ainsi. Elle avait son chapeau, moi mon nœud papillon. Et puis je me souviens aussi que ma maman m'en mettait toujours un pour les grandes occasions, quand j'étais petit. Au final, je trouve ça assez classe. J'ai envie de plaire aux gens d'un certain âge, et je suis sûr que mon style doit leur plaire, a-t-il confié. Jordan Deluxe a également avoué que sa tenue lui servait pour mener ses interviews et inciter les invités à se confier. Je pense que mon costume et mon nœud papillon y sont pour beaucoup. Mes invités ont l'impression d'être devant un personnage et se sentent obligés de se confier, a-t-il déclaré. Une stratégie qui a porté ses fruits.